chaque texte est un petit meurtre en série. Les sujets se saignent et petit à petit la fosse s'agrandit. Roule dans le son, sans assurance, sans garantie. Suivi de près par la merde et les képis. Délite sa gueule et patrouille anti-démocratie. Ils traumatisent et le son du gyrophare devient une phobie. On a vu qu'ils nous aiment pas, alors on leur rend l'appareil. Les citoyens moyens se font baisser par les lois et c'est toujours pareil. Les mêmes conditions, t'es en chien si t'as pas d'oseille. Je veux pas couper des têtes mais je veux arracher des oreilles. Je veux leur faire voir mon son, qu'ils écoutent ma vision. Qu'ils sachent qu'on est là, pas prêt à la division. Là c'est leur humiliation, leur faction, leur punition. Et le nombre de bourreaux toujours en augmentation. Des experts dans l'art de la manipulation. Et nous on est là, sans sou mais pas sans souci. Nous et l'euro, c'est le chat et la souris. Et avec leur système, c'est l'oppresseur et l'insoumis. Ici c'est ni Hollande ni Sarkozy. Pas de lame, ni de Uzi, de gang, ni de fusil. Juste la plume, la cabesse et le Mikey. Et à chaque texte, assumer ce qu'on dit. Le rap c'est déguisé, pas moyen que je le fasse aussi. Non, pas moyen que je le fasse aussi. Pas moyen que je le fasse aussi. Il paraît que je raconte trop ma vie, que mon phrasé tire trop dans la mélancolie. Il voudrait que mon rap les fasse gaulerie et disent en avoir marre du noir et des tragédies. C'est vrai que la réalité est dure à voir. On se marre moins devant un miroir. C'est plus facile de devoir que d'avoir. Plus facile de mentir que de savoir. Plus facile de mentir que de savoir. Art média chronique, c'est trop chelou. Trop pas de chez vous. Vaut mieux pas l'écouter chez vous.